Moi, je voudrais effectivement rajouter une chose. Je pense qu'effectivement, le budget aujourd'hui, il est pris en otage. Point. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le budget, il passe au second plan. Ça veut dire que l'intérêt de la commune passe au second plan. Aujourd'hui, il y a un règlement de compte entre un certain nombre de personnes et le maire. Ok, très bien, ça existe dans plein de communes en France. Il y a des moyens de le gérer. Si, je parle du budget et je vais terminer. Excuse-moi, David. Parce que, écoute, je vais juste. J'ai plus beaucoup la parole, ni par écrit, ni dans les pétitions, ni nulle part. Je ne suis plus invité aux réunions, donc je vais en profiter pour parler. Donc je parle du budget. Donc je dis, le budget, il est pris en otage pour des motifs qui n'ont rien à voir. Le budget, il est bon. Le budget, il est essentiel. Il y a des choses dedans qui conditionnent des choses importantes et même graves pour le fonctionnement de la mairie. Parce que vous savez tous qu'on a trouvé une situation où il y a des choses à rétablir, d'urgence. Et aujourd'hui, on met en jeu donc l'intérêt de la commune, l'intérêt des habitants de Saint-Cériès, pour un petit problème finalement de mésentente et de putsch. C'est-à-dire que c'est une prise en otage. Le budget, il est instrumentalisé aujourd'hui. Purement et simplement. Donc moi, et excuse-moi David, c'est ça que je veux dire précisément, je déplore qu'il ne soit pas possible de régler les problèmes d'une autre manière. Ça existe dans plein de communes. Il y a des commissions pour ça, y compris à la CCPL, au centre de gestion, il y a de la médiation, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, on utilise des tas de moyens plus malhonnêtes les uns que les autres. Et là, vis-à-vis de la commune, pour moi, on a un acte malveillant. Parce que dans ce budget, l'ensemble des demandes de l'ensemble de nos commissions ont été reprises. Le budget est en équilibre, c'est effectivement un budget sain, dans la continuité des budgets, etc. C'est un acte essentiel, et aujourd'hui on ne s'en sert que pour donner un désaccord avec le maire. C'est pas fait, c'est pas un acte démocratique, c'est pas un acte respectueux pour la commune, c'est pas un acte respectueux pour les habitants de Saint-Cériès.